Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va déguster les bonbons Haribo. La fameuse ouverture de bonbons que vous pouvez retrouver chaque année. Et aujourd'hui, on évolue un petit peu parce qu'on va noter chacun et après on fait la moyenne. Alors vous êtes prêts? C'est parti. De juin à août, c'est l'été sur Sandroplaine. N'oubliez pas le musée Haribo ou même des ouvertures de Playmobil en tout genre. Des collections de séries mystères Ever Dreamers ou bien même la série 20 des Playmobil. Tout ça avec Céline et Alex et bien sûr Sandro et Marie. Bonne idée. Le premier, c'est les Rickwells, on les avait goûtés l'année dernière. Si vous êtes... Ah oui, ça c'est des bonbons qu'on a achetés pour... Je sais plus combien on avait mis. Je sais plus du tout. Je peux pas dire. Je peux regarder la vidéo avant. Si vraiment vous avez envie de savoir si on met les mêmes notes qu'à l'année dernière, moi j'ai envie de savoir, j'irai voir juste après pour vous dire. Alors, c'est les petites pastilles bleues. Allez. C'est mamie c'est qui bleu. Aime bien ça. C'est vert. Ah, sur la photo, ouais. C'est bleu. Bah là, c'est vert. Ouais, vert. Ça dépend de la lumière. Il y en a un qui est collé derrière, non? Deux même. Ah ouais. On y redonnera à mamie. N'oubliez pas de nous voir sur TikTok. Bon, c'est pas fameux. Hein. Un 6. Ou 5. Ok. Ça fait 5,5 de moyenne. On va voir, on va regarder ce qu'on avait mis. On va tirer à voir plus tard pour l'instant. Hein. Allez, on coupe le temps. Donc, on a 5,5 de moyenne et ça, c'est l'année dernière. Regardez. Oula, ça s'est enlevé. Bah, après, les gens iront verront. Regardez, on avait mis... Oh, j'avais mis 8 sur 10 et toi, 7 sur 10. Ah ben, tu vois, les goûts ont changé. Hein. On a chacun enlevé 2 points. Voilà. Bon, on passe au pastille à l'anis. On avait mis des notes. Je vous les dis pas tout de suite. Allez. Ah, moi, je me rappelle que tu en avais acheté à la réglisse, là. Oh là là, des ânes, des je sais pas quoi, là. Tannes. Ouais. C'était pas bon. Bah, on a les moyennes, regardez. Zane à la menthe, 4,5. Zane à l'anis, 5,5. Ça, c'est tout ce qu'on avait goûté l'année dernière. On en avait goûté. Des crocodiles, t'en as racheté? Bah oui. Avec moins de sucre. Ouais. D'accord. Love Licorne, non, on n'en a pas. Non, on n'a pas les mêmes choses. Mais on en a moins. Bon, ça va. 8. Je vais mettre 7. Eh ben, on était à 8,5 de moyenne. J'avais mis 9 et toi 8. Presque. Pareil. Donc c'est quoi là? Anis. J'ai mis quoi? 7 et toi 8. T'as mis 8 et moi j'ai mis 7. Ouais, voilà. 8. 7. Donc 7 et 8. Ok. On passe au suivant? Ouais, vas-y. Qu'est-ce qu'on ouvre? Attends, j'ai le... Allez, bois un coup. Bon. Alors, nous avons quoi comme bonbon? Alors, on va passer aux berries. Les berries, faut savoir que c'est mes bonbons préférés à l'heure actuelle. Parce que l'année dernière, c'était quoi? C'était des petits nounours, ces bonbons préférés. Quels petits nounours? La marque Haribo, bah, les nounours d'origine. Ah là là, j'aime ces bonbons nounours. Alors maintenant, c'est des fraises. Donc, je vais goûter une mûre. Alors, ça, c'est quoi? C'est une fraise ou une framboise. Goûter une mûre et une framboise, on va dire. La mûre. Toujours aussi bon. Un peu sucré, moi, je trouve. En moyenne des deux, je mets 9. Et toi? Oh, j'en ai mangé qu'un. Et tu mets? Moi,
je la trouve sucrée. Rien à acheter une grosse boîte, hein. Il ne va pas manquer. Des berries. Allez, ben je mets 8. 8. Pour l'instant, ils prennent la tête avec 8,5 de moyenne. L'année dernière, à 8,5, c'était la meilleure note. On avait les Frésibus et les crocodiles et les réglisses à l'anis. J'aurais mis 9 s'ils étaient un petit peu moins sucrés. Bah, en parlant de sucre, on va goûter les crocodiles. Ils ont moins de sucre, moins 30% de sucre. Ah bah tant mieux, c'est très bien qu'ils pensent aux diabétiques. Et en plus, il n'y a pas d'édulcorant. Donc je pense que c'est une nouvelle formule. Je vais prendre les bleus, bien sûr. Alors qu'est-ce que je prends? Un au hasard. Un orange. Un orange. De matière de sucre en moins et toujours aussi bon. Ça n'a jamais été mes phares. Ah si, j'avais mis combien? On a quand même du sucre, dont 35 grammes de sucre. Moi je mets, ça va, un 6. Moi je mets un 7. C'est vrai qu'on sent pas trop le manque de sucre. C'est aussi bon que les autres. Croco Baby. Un 6 et un 7. Ça fait 7,5 de moyenne. Ça rejoint les anis. Trucs à l'anis. Ouais. Bon, qu'est-ce que nous ouvrons maintenant? Bah déjà, moi, je vais faire une petite pause et on se retrouve juste après. Là, on donc, les suivants, c'est un mélange de World. Qui lui-même est un mélange et de fan zone, vu que c'est le foot en même temps. Ouais, mais normalement, c'est dommage, ils disent pas les régions, parce qu'il y en a qui disent les pays typiques. Si on trouve la photo, on vous la met. Voilà, parce qu'il y en a, par exemple, les petits bébés, Jelly's Baby, c'est l'Allemagne. L'Angleterre. Normalement, les Jelly's Baby, ils sont faits avec des légumes et des fruits. Voilà. Donc, on va en goûter. Déjà, les murs, on les a déjà goûtés. On va prendre il y a des les crocos, on les a goûtés c'est quand les mêmes, même. Exactement. On va prendre la bouteille de coca, tiens. Bouteille de coca. Le classique. Toujours aussi bon, mais à part. Oui. Moi, un 8. Bah, moi aussi. On m'a 8. Le coca, c'est un classique. Hein. Ouais. On n'en avait pas acheté dedans, ils étaient fourrés au coca à l'intérieur. Si, non, du coca fondant. Ouais. Ouais. Ça, un sushi, c'est. Oui, c'est la même chose que les petites fleurs, là. Tu vois? Ok, ben on les goûtera pas. Oula. Moi, ça, j'aime bien. Moi, un 6. Un 8. Les fameux dragibus. Oula, ils sont mal en point. On prend les noirs. Oui. Oula, ils sont. Ils collent un petit peu, ouais. Ils ont eu chaud. Du classique, hein, des dragibus. Hein. Un 9. Un 8. Bon, et vous êtes quoi avec les. Là, on n'aura plus de place. Est-ce que vous voyez le tableau? Hop, 8,5. Bon, on n'a plus de place. Et enfin, on va goûter les... Les Jelly Babies. Tiens, un orange. Merci. Voilà. Très bon. Ça, 9. Dans la boîte, c'est ce que je préfère. Les Jelly Babies. J'ai dû tomber sur un goût que j'aime pas.
Ah oui, mais normalement, à la base, si c'était les vrais comme en Angleterre, on a qu'ils sont aux légumes. Brocoli. Baby, je vais mettre un... Allez, un 7. Moi, je mets 9. Ah, carrément. Ah bah oui. Bon, bah, ça fait 8 sur 10. Allez. Là, c'est bon, je crois. Hein. Ah, les petits oursons. Ah, il y a des ours, je vois. Ah, les oursons de cendre, où ça? Ouais, ça va, hein. Un 7. Il y aura un 8, moi. Ok. On va regarder en inverse, juste. Je trouve qu'elle est bien fournie, cette boîte. C'est un mix. Bah, il y a eu plus 30%, non? Ouais, je sais pas. Je sais pas quelle est l'usine. Enfin, voilà. Donc, il faut savoir qu'il y a deux usines en France. Il y en avait plusieurs avant, mais il y en a qu'en fermé. L'usine de Marseille et l'usine du Gex. Alors, qu'est-ce que nous avons? Là, on va quasiment avoir plus que des nouveautés, les trois derniers. On va commencer par les moins nouveautés, mais ça, c'est un paquet que je pourrais manger en entier. Donc, celui-là, c'est sûr, je le garde. Il est trop, trop bon. C'est les fils. S'il arrive à ouvrir. Hein. Les fils typiques, j'ai eu du mal à ne pas en manger. Tiens. Merci. Moi, le mieux, je les mange fil par fil. Moi, je mélange tout. Ça fait penser à... C'est quoi les bonbons là qui piquent là? Tête brûlée? Ouais. Non, quand même pas. Bah. Ou alors... C'est le même style, hein. Les lécher après avoir que les piques. Un 9. Ouais, 8, parce que j'aime bien les, tout ce qui est piquant. J'aime bien quand ça pique. Ah oh bah regarde, on a mis les mêmes notes. Ah bah ça, ouais. Que c'est pour... Les fils. Les Miami Pix. Je reprends un pour la route. Non, je vais pas reprendre. Est-ce que j'en prends un? Non. Soyons raisonnables. Ah. Allez, les deux qu'on va goûter, ce sont des nouveautés. On va commencer par celui-là. C'est quoi? Des monstres Happy Monster. Et non, petite surprise, celui-là, on va pas les goûter dans cette vidéo pour ne pas se spoiler car il y a différents goûts à retrouver et on va faire un challenge, n'est-ce pas ma reine? Oui, si tu le dis. Donc si vous voulez retrouver la vidéo, très prochainement. Il n'y a pas des goûts aussi. Et celui-là aussi, on découvre. On pourra faire les deux dans la même vidéo. Bon. Bah, c'est déjà la fin de cette vidéo. Les deux qu'on a préférés, c'est ceux-là. Les Miami Pix. Les Dragibus. Et il me semble qu'on en avait un troisième qui a été effacé. Bah non. Ah oui, les Berries. Berries, Miami Pix et Dragibus sont nos préférés. Bah, j'espère... Pour cette année, voilà. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Salut.